One and two and three and four. Bienvenue à tous sur les ondes de Radio Taïwan International et vous écoutez votre émission hebdomadaire Des Orientales à la découverte des musiques et des musiciens de Taïwan avec Arnaud Lechat. Aujourd'hui, dans le cadre de notre cycle consacré aux musiques Haka de Taïwan, nous continuons notre conversation avec le chanteur-compositeur Liu Zhongchang dans son atelier du Centre culturel Haka de Zhubei. Nous y parlons culture, nature, et musique, bien entendu. Si on compare aux autres populations, les Hakka ont gardé plus de savoir pour tout ce qui touche l'agriculture, les cérémonies religieuses, la façon de vivre traditionnelle. C'est comme ça que je le vois. Je suis revenu ici dans cet environnement Hakka pour réfléchir à tout ça, parce que je ne suis pas un agriculteur professionnel, pas du tout. Je le suis juste à temps partiel. Est-ce que ce sentiment se ressent dans ta musique, dans tes chansons ? Je ne pense pas que je fasse bien des choses. Je ne les fais pas bien parce que je ressemble plus à un outsider, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je ne peux pas les voir de l'intérieur. Donc, je ne fais pas très bien des choses. Je me mets d'abord dans mon environnement et je m'imprègne. J'observe et je réfléchis au travers de mes chansons, de ma musique. Essayer de transmettre toute cette culture, ces valeurs, pour les faire entendre au plus grand nombre. Je trouve que c'est précieux. Toutes ces valeurs traditionnelles sont plus saines pour les hommes. Par exemple, si tu habites en ville, comment peux-tu imaginer qu'il y a des gens pour surveiller ta maison? Par exemple, quand je mets mes vêtements à sécher et s'ils s'envolent à cause du vent, mon vieux voisin me les ramasserait et me les ramènerait. Derrière chez moi, il y a de bonnes courges, papayes. Quand on récolte, on invite le voisin à en manger. Ces sortes de comportements, d'échanges entre les hommes, je ne les ai pas vraiment rencontrés en ville. J'ai habité en ville une trentaine d'années. Venir ici à la campagne, avoir ce genre d'expérience, je me dis « waouh ». En plus de la fraîcheur de cette nouvelle vie, j'ai découvert que c'était ce que je voulais. Les liens entre voisins sont plus proches. Zak ta oi zang myong san pi yeo.
want sak tu lo le li yo sak ta chien chon mo kit tu a kin ni lo lo su mo te fa sin ki yo san go chong sang koi na chang yen lo chung chu phong thế gì ơ chu phong thế gì ơ chu phong thế gì ơ. Tu as sorti un album qui s'appelle La nouvelle branche du vieil arbre. Ça fait déjà combien de temps? 2007, oui, ça fait 5 ans. C'était quand tu habitais en ville ou quand tu t'es installé ici? J'étais en ville. À cette époque, je voulais expérimenter musicalement la musique haka. J'étais jeune. Je trouve que dans ce CD, la musique traditionnelle est très présente. On y retrouve du swana. Tu utilises le swana à cause de la musique pain, haka? Oui, oui, oui. En plus, tu utilises le swana comme prenant le rôle d'une trompette, comme un saxophone. Oui, c'est ça. Mais je trouve que à ce moment-là, je voulais juste faire de la musique. Maintenant aussi, je fais de la musique, mais c'est un peu différent. Quelle est la différence? À cette époque, je n'avais la tête qu'à vouloir savoir ce qu'était la musique traditionnelle. Qu'est-ce que la musique pop? Ensuite, essayer de les mettre ensemble, de les mixer ensemble. En fait, dans ton CD, on ressent ce sentiment. J'aime beaucoup, par exemple, la deuxième chanson qui s'appelle... Oui. C'est celle que je préfère. En plus, je trouve que dans... La langue haka est mise en avant. Tu utilises seulement la langue haka pour chanter? Je vais plutôt dire comme ça. Quand je me suis installé à Hsinchu, j'ai découvert que le haka a beaucoup d'accents différents. Moi, j'utilise l'accent haka qu'on appelle le Si Xian Qiang. À Hsinchu, la plupart des haka parlent avec l'accent Hailu. C'est un autre accent. Leurs tons sont inversés. Par exemple, pour le titre de cette chanson, je dis et les gens de Hsinchu. Oui, c'est bien différent. L'émission arrive à son terme, mais avant de nous quitter et de retrouver Liu Zhongchang la semaine prochaine, écoutons sa chanson Ryo Sam Kai Tam Go. Lo pho khai go heo sang khai Lo pho mo khiam đôi miao a miao Yu đi khai mo Ya mang đi Mang yin loi Lea mang yin oi loi Đen ru kiong ha khai Khai đa ki trung yên ke tam con Hai yu kai ki thong san ke tam con